Ingeta. 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 Bako kwea o bako kwea te. Bako kwea. Bako kima o bako kima te. Bako kima. O eza appel général, ya peuple congolais, tozo bengisa la diaspora mobimba en général. Tozo la manifestation ya mounene zo banda le 6 octobre awa na Paris 2023, na Bruxelles. Na kati ya Bruxelles, manifestation ya mounene zali le 6 octobre 2023. Manifestation a été contenue à la massacre de Gangi na Goma. Babomi bandeko na biso na Goma, gouvernement ya Félix Tshisekedi Tshilombo et massacre peuple congolais na Goma. Babeti bango ba balle réelle. Yango to rassembler la diaspora congolaise. Pour na Congo na biso to kotika te, to bengisi congolais nyonso, oyo so tangami mwana ya Congo la porte de Namur, rassemblement ko banana na 12h na porte de Namur. To zokende na Union européenne. Pour le l'ambassade de la République démocratique du Congo, pour dénoncer le massacre, Oyo Kabila, na Félix Tshisekedi, qui est la tête de la Congo, la Bissau, Naba Jean-Pierre Mbemba, Naba classe politique, la médiocrité, toutes ces classes politiques, la médiocrité doit dégager. Il y a un autre sensibiliser le peuple congolais de se prendre en charge. On doit chasser ces dictateurs, ces imposteurs qui sont là au service de la multinationale. Nous demandons à la diaspora congolaise de mettre échec. Ingeta! Ingeta! Ingeta, peuple congolais! Ingeta! Message Zali, comme on a dit, Félix Tshilombo a commis un crime contre l'humanité. Le massacre de Goma, 30 août 2023, c'est un crime contre l'humanité et Félix Tshilombo, tous les gens qui dans ces pays. Nous avons un peuple congolais, Mobimba, la diaspora, manifestation Zali, mon aîné, nous avons le 6 octobre à Bruxelles, à la porte de Namur, et puis tu es dans l'Union européenne pour te dire que un complot international contre le Congo. Félix Tshilombo, génocidaire, CPI Ezakozelayo, justice pour le peuple de Goma, justice pour le peuple congolais. Ingeta! Ingeta! Peuple congolais, vraiment, je lance un appel solennel à tous les Congolais de la diaspora. Nous vous invitons le 6 octobre. À partir de 12h au métro Porte de Namur pour une grande manifestation pour dénoncer tous les crimes qui ont été commis par les pouvoirs en place à Goma. Vous savez que nos frères ont été assassinés, nos frères ont été tués injustement, sans motif. Raison pour laquelle la communauté congolaise de la diaspora a lancé un appel pour mobiliser tous les Congolais de venir manifester si nombreux pour que nous puissions dénoncer cela auprès de la communauté internationale et tous les responsables politiques, militaires congolais qui ont commis ces actes barbares, criminels, doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Raison pour laquelle nous demandons aux étudiants de l'ILB, aux étudiants de Mons, aux étudiants de Louvain et même ceux qui sont à Bruxelles de venir si nombreux de manifester avec nous. Car le pays est en danger. Notre pays est en danger. Si nous continuons à laisser les massacres continuer à se perpétrer, et nous laissons seulement les combattants continuer à se battre pour tout ce qui se passe au Congo injustement, un jour, nos frères, nous allons perdre notre pays. Raison pour laquelle je lance encore cet appel à toutes les mamans, à tous les papas, même les enfants, la jeunesse congolaise, venez manifester nombreusement, pacifiquement, le 6 octobre 2023, à partir de 12h à la porte de Namur. Raison pour laquelle je vous demande encore merci pour cet esprit d'éveil. Les Congolais, réveillez-vous. Ingeta! 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 Bakokendo, bakokendete! Bakokende! Bakokendo, bakokendete! Bakokende! Merci. Chers compatriotes congolais de la diaspora de toute l'Europe, nous vous invitons le 6 octobre 2023. La diaspora, les combattants, les résistants de l'Europe organisent une grande manifestation le 6 octobre 2023 à la porte de Namur. Nous allons quitter de là-bas jusqu'à l'Union européenne pour manifester notre mécontentement contre le massacre de Goma commis par M. Tshisekedi en complicité avec Paul Kagame. Venons nombreux manifester notre mécontentement afin que ces régimes puissent dégager parce qu'ils sont des missionnaires. Ingeta! 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 Ingeta!
ma résistant en France, ma combattant en Allemagne, il y a Hollande, Luxembourg, il est temps. Il est temps maintenant. Il y a un mot qui a réuni mon aîné. Biso ba yeto va dans la Bruxelles. To bengi sibino, bana mboka, oboza en Europe, bana mboka, oboza na diaspora. Soki to telemite mabele ekei. Yangwa le trobi, le 30 août, na Goma, Félix Tshilolo, atindi ba militaire nae, ba boma peuple, ba bomi nombre, ba millions de millions bomoni, biso to koni koti kaboete, yango to lobi, le 6 octobre na 12h, biso tout na porte na mire na matonge, to kome mamati na ambassade ya Congo, jusqu'à na Union Européenne. Eli kambo ya biso tout ba Congolais, ba Zaïrois, otozali totelema. Bon moni tina er otoza 20h, touti réunion, pour la collaxa bino, que son ki to bimite, ma belle se kei. Boladi ba nyamouleng de ba zosa ba déclaration. Balobi mabele wana ya bango. Soko biso ba kolomboka, toti ka mabele, na maboko ba étranger, ba rwandais, ba tutsi, ba ugandais, ba burundais, Félix Tshilolo la teki mboka. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. À chaque jour, na ba fête ya mariage, peuple na biso tozo koufa, tango to marcha ki na ya wana Bruxelles, ba na goma ba bandai kote le melamboka. Lelo Félix, ba rwandais, ba pese pouvoir sans pouvoir, a parvenu ko boma peuple wana. Bande ko le 6 octobre toza la besoin diaspora ba combattant toza la ini tozo ngana nzela totika ko boma na biso toza la bomoko to la kisango le 6 octobre que nous sommes unis devant Makila Vuluskimbangu ya 1921 ingeta ingeta papa.